des bâtiments décoiffés, des tôles par terre, habits trempés d'eau. C'est le triste bilan d'une forte pluie accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu sur Kissidougou dans la nuit du vendredi au samedi. Touché par les dégâts de ce vent violent, le responsable de la famille Camara nous revient sur les circonstances de ce sinistre. Hier nuit, vers 20h, 21h, on est resté à Magé. Tout d'un coup, la pluie a commencé à venir, donc je me suis levé pour aller débrancher les appareils. Tout d'un coup encore, j'ai entendu un bruit, je suis sorti m'arrêter à la porte. J'ai vu que le vent commençait à soulever les tôles. Ça a décoiffé toutes les deux maisons, là, en plus la cuisine. Cette dame rescapée qui a échappé aux conséquences de cette forte pluie a finalement subi de l'entorse au niveau de son pied. On demande là, mais d'accord, vous l'avez fait. Sans qui garde mina, sans nada mina, ni les manos rigues sans dire. En cas une coro, sans bras frente d'amina, tout ibra coro, tamando à fanfan. En durant boule à boutou cabot, tout le grabout, n'a l'ancien tromot, mais c'est un cadilla. Tango, si on voulait diminuer un tenu, un témoigne de son si on l'a goulat de foromono. Plusieurs quartiers de la commune urbaine de Kissidougou ont été victimes de cette forte pluie survenue dans la nuit du vendredi. Et plusieurs citoyens sont aujourd'hui à la belle étoile.